Eh bien le bonjour les amis, c'est Wayne, aujourd'hui on se retrouve pour le sixième épisode de Harry Potter à l'école des sorciers, j'espère que vous allez bien. Donc on va reprendre notre aventure tranquillou, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le commentaire comme d'habitude, et de vous installer confortablement, de prendre un truc à boire, à manger. Et bah, c'est parti. Donc je vous rappelle qu'on avait fini le cours de défense contre les forces du mal, et que du coup on devait aller au cours de potions de Monsieur Rogue. Donc si je suis pas trop bête, les cours de potions sont au cachot. Voilà, on va pas perdre les mauvaises habitudes en cassant tout. Et maintenant, on a un cours de potions, mais j'ai bien peur qu'on soit déjà en retard. Mais m'attend pas surtout. Même pas il m'attend lui, vous avez vu comment il est? Non mais Ron! N'importe quoi lui. Allez, c'est parti. Trouve les ingrédients. Oh là! C'est sinistre leur délire là. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Oh! Je suis le professeur Rogue. J'enseigne les cours de potions. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à préparer une potion de soins Wiggenveld. Ah! Une potion de soin. Vous êtes en retard à votre cours de potions, monsieur Potter. C'est intolérable, même pour une célébrité. Je retire 5 points à Gryffondor. Oh là là, ça va. Potter, rendez-vous dans les cachots et récupérez tous les ingrédients de la potion pour la classe. Rapportez-nous de l'écorce de sorbier, du molly, du dictame et du mucus de Veracras. Et ne traînez pas en route où je retirerai des points à Gryffondor. Et maintenant, filez et ne revenez pas sans tous les ingrédients. Non mais oh, il m'a pris pour sa boniche lui. Genre tranquille. Je peux rester avec vous, si monsieur? Je me souviens bien, je vous ai envoyé dans les cachots à la recherche des ingrédients de la potion. Oh, ta gueule. C'est quoi ça? Ça doit être du dictame. Ah ben voilà. Où suis-je? Oh là là. Rob m'a joué un mauvais tour. Ok, bon. On se retrouve enfermé dans les cachots. Ok, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse là? Alors attendez, j'ai en train de réfléchir. Il va falloir que je pousse celui-là. Là, par là-bas, on peut aller nulle part. Je vais faire le tour quand même pour voir s'il n'y a pas un petit truc. Là, on peut pas l'activer ça. D'accord. Ok, bon. Je pense que c'est là que ça se complique, les amis. Ça devient un petit peu compliqué. Va par là, toi. Comment on fait pour l'ouvrir? Ah, faut peut-être le pousser là, puis là. Non. Ah, il faut peut-être en faire tomber un. D'accord. Je crois que j'ai compris. On va essayer. Voilà. Ah, il faut même faire tomber le deuxième, d'accord. Ok, mais de toute façon, on n'a pas trop le choix. Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Ah, voilà. Vous voyez, c'est pas très très compliqué au final. Rogue, il est pas très doué pour nous faire des mauvais tours. Voilà. Allez, grimpe-nous ça, Harry, s'il te plaît. Ah, on a déjà un premier ingrédient. D'après ce que m'a dit Hermione, je pense que c'est du molly. Ok, du molly. D'accord, on se retrouve là. Parfait. Alors, deuxième énigme, je présume. Petite sauvegarde, oui merci. Ah ouais. Ok, nous on va aller là-bas avant. Ok, ça fait quoi ça?
Ok, ouais. Une petite carte. Bah, ça fait plaisir hein, d'en trouver une petite par là. Là. Ok. Alors c'est un peu chelou, hein, je vous l'accorde. Ah ouais, voilà, ok. Oh non, je suis dégoûté. Bon, c'est génial de mourir deux fois en 5 minutes, on kiffe. Et... tu fous, Harry. Concentre-toi un peu. Non, c'est moi qu'il faut que je me concentre. Ouf, j'ai chaud, là. Allez, on va passer par là-bas. Ah, comme il fait trop le malinois à chaque fois qu'il prend une carte là. Oh là là, c'est bon, Harry. À 2 minutes, hein. Voilà. Allez, on va pas trop se presser cette fois. Oh, j'ai eu peur. On va monter sur celui-là quand même. Je vous le dis. Voilà. Ouais, nous faut qu'on aille en haut. Mais j'aimerais récupérer les dragées avant. Ok. Ouh, j'ai eu peur de retomber là, les amis. Ok, là il y a un truc à activer. Ah, ça a bougé le truc là-bas. Pas mal, pas mal. Allez. Voilà. Et on va passer à la suite. Bon, on a trouvé un ingrédient. Je sais pas combien il en faut. Je crois qu'il en faut 5 ou 6. Ah, et carrément, ça se casse et tout, quoi. Ah, et ça revient pas du tout, quoi. Allez, tombe pas là, Harry, hein, s'il te plaît. C'est pas le moment. Voilà. Faut pas se rater, là. Ok. Et là, on a encore un rush. Voilà, deuxième étoile. Vive le cours de potion, j'ai envie de vous dire. Oh non, c'est le baron sanglant. Quoi? Ah non, laisse-moi tranquille. Tu vas m'attaquer? Attendez, je les bute tous, comme ça on est tranquille. Voilà, ça nous a déjà ouvert une porte, vous voyez, déjà une vie. Ok. Toi, est-ce que je peux t'allumer? Ah, mais je peux te tourner. Allez, parfait, ok. Donc du coup ça on a pris, ça on a pris. Ça comment on peut faire pour l'ouvrir? Parce que du coup on ne peut pas. C'était quoi ce bruit? C'est là-bas qu'il faut aller? Oh, on dirait de l'écorce de sorbier. Et là-bas on pouvait... Ah mais c'est peut-être de là où je venais alors. Cool. Bon. Alors là je peux le poser sur deux trucs.
d'accord pour dire que c'est celui-là. Wingardium Leviosa. Ouais, ok, c'est pas très compliqué. Wingardium Leviosa. Voilà. Oula, cinématique. Ok, non. Juste on continue. Ok. Oh là là, ça baisse, ça se débaisse. C'est sérieux. Ok, je vais attendre que le mien parte et dès qu'il se relève, je me remettrai. Allez, le deuxième. Voilà, le troisième. Et le... celui-là, on va repasser là. Ça, on va t'allumer. Oh. Alors, attendez, on va sauvegarder là. J'ai envie d'aller par là quand même, hein. Il y a un truc là-haut. Alors, ok, une étoile. Et là, il y a des trucs à faire, hein. Ok, ça on chope. Ça on tourne. La grille devrait s'ouvrir. Ah. Ok, bon, ça va avoir une grille déjà, au moins. C'est déjà pas mal. Alors là, par contre, il va falloir qu'on redescende. C'est une blague? Et non, c'est pas une blague, là. Il nous faisait pas une blague, là. Voilà, c'est de faire à tâtons. Alors, je vais attendre que, comme tout à l'heure, que le mien redescende. Là, bah, y a celui là-bas. Le mien, il redescend. Allez, voilà. Et on y va. C'est parti. Ouh, j'ai cru qu'il aurait jamais là. Allez, allez, allez. Et là. Ouf, j'ai peur. Allez. Chaud quand même, hein. Il nous a pas laissé la tâche simple, lui, hein. Ce fanfrelu là. Ok. J'avais fait une bêtise, d'accord. C'est bien ce que je me disais. Là-bas, il n'y avait rien à prendre, je crois, non. Et du coup, nous, faut qu'on aille par là. Alors, est-ce que par là? Non, il n'y a rien à prendre. Ok, on va retourner par là. Ouh là 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 là, ça pue tout ça. Voilà, et là, on va l'activer. Ok, et ça, du coup... Ok, c'est pour le redescendre, d'accord. Ok, bon, on va attendre que celui-là revienne vers nous. Voilà. Ah, je me retourne histoire de voir si j'ai rien oublié. Non, ça m'a l'air correct. Allez, c'est parti, petite sauvegarde. Ah ben, c'était chaud quand même, hein. Je sais pas si on a fini encore, je pense pas. Ah bah on sanglant mais... Ok. Et là lui il fait le tour à chaque fois, c'est ça? Ok. Alors attendez, je vais voir jusqu'à là-bas comme ça on est sûr. Ce qu'il nous faut.
Ah ouais, faut que j'attende qu'il passe en fait, je suis con. Il ouvre les portes, d'accord. Allez, viens. D'ailleurs, c'est bizarre qu'un fantôme ait besoin d'ouvrir les portes. Voilà. Ouais. On va être à 300 là. Comme quoi. Bon, par contre, tu peux repasser là, bah. Ah bah il est bien efficace celui-là au moins, il sert à quelque chose, pas comme Nicalis en tête de la dernière fois là. Allez. Ok. Il faut qu'on aille là-bas nous. Ah, il y a un truc en haut à droite, j'ai vu, hein. Ne vous en faites pas, mais on peut pas y aller. Pour le moment. Alors comment ça se présente ce truc, ouais. On va pouvoir le récupérer après, je pense. Ah. Je me disais... Alors, ceux-là, qu'est-ce qu'ils foutent, là? Ok, ceux-là, ils montent et ils descendent. D'accord. J'ai tenté un petit coup de chance là, mais je l'ai eu. Donc ça va. Alors là, il y a l'autre qui repasse. On va aller par là direct. Oh, c'est sympa ça. Ah. Une autre carte. Ça, c'est bien. Là, on est bien. Ah, génial. Est-ce qu'il y a autre chose à récupérer par là? Oui, lui il est là. Ah, vous voyez, on retrouve le coffre tant attendu. Voilà, 287, c'est plutôt pas mal. Monsieur le Baron Sanglant, vous pouvez repasser? Sinon je vais rester un peu bloqué. Ok. D'accord. Attendez. Non mais c'est par là qu'il faut aller. Hein. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et je crois qu'il y a encore un ingrédient, oui. Ça doit être du dictam. Ah, on a fini les amis. C'est bon, je suis là, Rogue. T'as pas tellement enlevé des points là. Encore en retard, jeune paresseux. Je pense que trois nouveaux points. Oh là là, il est sérieux. Je vois que vous avez récupéré quelques étoiles, mais j'ai bien peur qu'elles n'aient aucune utilité dans mon cours. J'ai terminé le cours sans vous, Potter. Les autres élèves sont allés au... Ah bah sympa, le prof qui fait pas de cours. Si ça vous... Je crois qu'il a un truc contre moi, ce mec. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Harry, il y a un énorme troll qui s'attache tout. Et Hermione est coincée avec lui dans les toilettes des filles. Il faut l'aider. On doit aller la sauver tout de suite. C'est où les toilettes des filles? Ok, bon. On va devoir y aller. Là, vous avez entendu Ron, on n'a pas le choix là. On va le suivre. Ok. J'ai pas eu le temps de lire ce qu'il avait écrit, comme d'habitude. Harry, c'est quoi cette odeur? Oh, oh la gueule! Oh la gueule!
Oh my god! C'est trop dur! Harry, c'est quoi cette odeur? Mais c'est trop dur, les gars, je sais pas comment je vais faire. Dégoûté. Bon, alors je sens qu'on va galérer là, les amis, je vous le dis. Harry, c'est quoi cette odeur? C'est quoi cette odeur? C'est Hermione qui a fait caca. En plus, il a tellement une sale gueule que ça me stresse en fait. Allez, allez, Harry, t'inquiète. Oh, mais d'accord, il peut pas passer sur le côté, là. Bon, génial. Harry, c'est quoi cette odeur? Je sais pas, c'est quoi cette odeur? Il m'énerve avec sa voix. Mais lui, je vois pas, Ron, il est où là en fait? Parce qu'il me laisse dans la merde en fait. C'est chaud. Pour moi, ça nous rapporte des dragées, j'ai envie de dire. Ça va, j'ai un petit peu d'avance sur lui. Ok, c'est bon, j'ai capté le délire. Oh, d'accord. Ok. Bon, on est déjà allé super loin là, mais combien ça dure de temps ce schmilblick là? Parce que je vais pas faire ça pendant ces 7 ans, moi. Allez, on retente. Connais un petit peu, ça devrait aller mieux. Ah ! Mais ça a changé ou quoi là, le parcours? C'est quoi ce délire ? Est-ce que vous avez vu ce bug? Ou est-ce que je suis seul à avoir vu ce délire là? Oh là là. Bon, ben je crois qu'on va passer tout l'épisode sur ce truc. C'est pas grave les amis, j'ai décidé de tout vous montrer de toute façon. Comme ça vous me voyez galérer, rager tout ça avec ce putain de troll. Par ici, Ron. Allez, bon, on l'a déjà fait 10 fois déjà. Voilà. Ok. Et c'est là où on galère à chaque fois. Mais non!
J'adore ce Ron trouvé utile à la vie. Harry, c'est quoi cette odeur? Allez, 45e FC. Trop vite ce troll, c'est pas normal ça. En fait, il faut pas que j'aille trop sur le côté, je crois. Alors là, on a le truc où il y a les deux sauts. Enfin non, il y a le couloir, après il y a le truc avec les deux sauts. Et après, il y a le truc où on n'arrive pas. Ok, allez, c'est parti. Ah, j'ai réussi. Wow, c'est chaud là, les gars. Oh là là, sauvegarde, mais... Bah y'a Hermione dedans, bande de cons. Ce troll est énorme. Harry, je vais essayer d'ensorceler la masse du troll pour qu'elle lui retombe sur la tête. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Mais comment je fais? C'est trop dur! Ok. Ah! Il veut pas nous lancer Hermione là? Allez, Ron, bouge ton cul là. J'en fais depuis 10 minutes moi. Moi j'ai compris le délire. Voilà. Hermione, est-ce que ça va? Merci de m'avoir sauvé. Il est mort? Bah non. Je crois qu'il vient d'être assommé. Vite, sortons de là. Oh, quelle histoire. Épuisés par leur entrevue avec le troll, Harry, Ron et Hermione parvinrent à la salle commune des Gryffondors et discutèrent des étranges événements qui se produisaient à Poudlard. Harry soupçonnait quelqu'un d'avoir délibérément libéré le troll afin de détourner l'attention de tous pour pouvoir se faufiler dans le couloir interdit. Mais Harry était bien trop occupé à se préparer pour le deuxième match de Quidditch contre les Serres d'Aigle pour trouver l'instigateur de cet incident. Ça c'est bien. Bon, on va faire ce petit match, les amis, pour terminer cet épisode. Aujourd'hui, les Gryffondors rencontrent les Serres d'Aigle. Ok. Maintenant, place au Quidditch. Allez, c'est parti. Oh là là, c'est pas du climat. Bah, ah oui, d'accord. Si je me trompe de touche, je risque pas d'aller très vite. Oh là là. Je l'ai croisé. Les Serres d'Aigle se sont emparés des soifs. Jamais vu quelqu'un voler comme ça. Putain, mais il est où encore? Quel talent! Ça fait mal.
Alors, je parle pas, désolé, hein, mais comme d'habitude, j'ai besoin de concentration dans le Quidditch, sinon je galère trop. Oh là là. Allez. J'ai plus vite que lui en fait, c'est ça le problème. Ça y est, elle rebug l'autre. Ah, y'a que elle qui bug hein dans le jeu. Là. Allez! Quoi, toute la barre rouge elle descend d'un coup là? Je sais même pas où elle est. Ok, d'accord, elle est là-bas. Je vais crever là par contre, hein, je te dis. Ne dites pas ça que Potter est en train de mourir. Et oui, Potter, ce serait bien qu'il l'attrape. Oh là 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 là, j'en peux plus de ce livre d'or. Ah, je l'ai pas eu. Ah, quel con. Putain, je vais crever là, moi. Meurs pas, Harry. Allez, courage. Il fait toujours le même. Potter va t'écraser. Non. Potter doit quitter la partie. Épuisé par leur entrevue. Oh non. Harry, je dois recommencer. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et discutèrent des étranges. Ah, des petites cinématiques pour me reposer les doigts et pour me reconcentrer. Harry soupçonnait quelqu'un d'avoir délibérément libéré le troll afin de détourner l'attention de tous pour pouvoir se faufiler dans le couloir interdit. Et ouais, c'est dur la vie. Hein. Harry était bien trop occupé à se préparer pour le deuxième match de Quidditch contre les Serres d'Aigle pour trouver l'instigateur de cet incident. Et ouais. Allez, c'est parti. Debout. Bienvenue au Quidditch, ici Lissi, je serai votre commentateur aujourd'hui. Les Gryffondor rencontrent les Serres d'Aigle. Deg. Bon, j'adore. Viens le vif d'or. Ah, moula du cinéma. Ah, mais attends, c'est quoi ce délire? Je suis déjà à midlife là. Allez, mais je l'ai, là. Ah, j'étais presque. Oh. Quelle déception, ce Potter. Mais allez, mais je l'ai, là. Les attrapeurs se précipitent.
bien sur la cible. Oh là là. Je vais redescendre là. Allez, les Gryffondors. Putain, mais même pas ils m'encouragent en plus, les gens là. Ok. Regardez-moi, Potter. Il fonce sur le vif d'or. Je n'en crois pas mes yeux. La foule est debout, elle est à lui. Potter n'est plus qu'à quelques centimètres. Potter se prépare pour conclure. Allez. Non mais regardez-moi, Potter, la classe. Super. Voilà. Oh, c'était compliqué, hein. Bon, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment. C'était un peu compliqué quand même cet épisode. C'était pas facile entre le troll et ce petit match. Donc voilà, on va voir la petite cinématique. Et moi, je vous laisse juste après ça. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire. Moi, je vous fais un gros bisou, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Hagrid finit par céder à leur supplique et accepte. Harry déchira le papier de ce cadeau si inattendu et un morceau de tissu léger d'une teinte argentée glissa sur le sol. C'est une cape d'invisibilité, dit Ron. C'est très rare. Il y avait un mot avec la cape. Ton père m'a laissé ceci avant de mourir. Il est temps que tu en mérites. Fais-en bon usage. Très joyeux Noël. Harry jeta la cape sur ses épaules pendant que Ron et Hermione l'aidaient à se préparer pour se rendre au sommet de la tour. « Sois prudent, Harry, lui dit Hermione. Si tu lances un sort, tu redeviens visible et Ruzard risque alors de te surprendre. »